Les pneumatiques des Max, c'est un très bon pneu. On utilise ça depuis quelques mois maintenant. On a fait 5 courses et on est en prépare la 6e. On a utilisé ce pneumatique dans des conditions très compliquées. On a eu des conditions avec beaucoup de pluie et du grip, des conditions avec beaucoup de soleil et du grip, du cassant. Et c'est un très bon pneu. On en est pour l'instant très très content. Maintenant, je vais vous présenter les trois pneus que nous avons à disposition des Mac. Ce pneu-là, c'est le G62. C'est un pneu qu'on utilise dans des conditions très compliquées, dans des conditions grasses, humides, où la température est assez froide. Et c'est un pneu, par exemple, qui est type pour le Grand Bretagne. Et c'est un pneu qu'on a utilisé aussi pour le Rallye Terre d'Écosse, où c'était très compliqué. Et il a plu énormément et où il y avait très peu de grippe. Et on a utilisé aussi pour le Terre de Langres où on était au milieu des champs et c'était très compliqué. Après, Demac nous met aussi à disposition des plans de retaillage comme au Terre de Langres où on n'avait pas le choix, on était obligé de côté pour enlever le maximum de boue sur les zones de freinage et sur les zones de réaccélération. Après vous avoir présenté le GS62, voici le GH43. C'est un pneu de type médium, c'est un pneu qu'on utilise nous au Terre des Cardabelles et ainsi qu'au Terre de Lozère. Malgré la fraîcheur qu'on peut avoir le matin, nous on utilise ce pneu pour balayer. On peut faire aux alentours des 35 voire 40 km et on a toujours une performance qui est assez exceptionnelle. Par contre, par rapport au GS62, il faut un terrain à peu près sec et une température aux alentours entre 15 et 20 degrés pour que ça soit fonctionnel. Donc après le GH43, voici le GH23, donc c'est un type de pneu hard. C'est le pneu le plus dur que propose Demac. C'est un pneu qui est très performant. Il faut un terrain très dur, un terrain avec beaucoup de cailloux, beaucoup de grippe, donc type Cardabelle ou par exemple comme le spécial comme le camp en Cardabelle, c'est le pneumatique type qu'il faut utiliser. Quand au Cardabelle, on fait une boucle qui fait aux alentours entre 45 et 48 km. C'est un pneu qui est très performant, on n'a pas de baisse de performance et on s'est aperçu que même en faisant ces trois spéciales là avec un rythme assez soutenu, on a un pneumatique qui ne se déchire pas, on n'a pas les crampons, les crampons sont en très bon état et c'est un pneu qui peut faire aux alentours des 60 km sans avoir une baisse de performance.